Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu par vos cris de joie. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous allons prier au cours de cette messe pour les intentions particulières de David et Anne Hill, pour les intentions particulières de Marie-Thérèse Matheux, pour les intentions particulières de notre Père évêque, pour tous les jeunes qui se confient à nos prières, qui présentent leur projet à Dieu. Nous allons prier pour le repos de l'âme de Welaji Eric. Que le Seigneur lui accorde sa miséricorde et console le cœur si meurtri. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe. Seigneur Dieu, nous en appelons à ta providence qui, dans ses desseins, jamais ne se trompe. Et nous te supplions humblement. Tout ce qui fait du mal, écarte-le. Donne-nous ce qui pourra nous aider. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 23, versets 1 à 4, puis 19, chapitre 24, versets 1 à 8, puis 62 à 67. Sarah vécut 127 ans. Elle mourut à Kiriath Arba, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham s'y rendit pour le deuil et les lamentations. Puis, il laissa le corps pour aller parler aux Hittites qui habitaient le pays. « Je ne suis qu'un immigré, un autre parmi vous. Accordez-moi d'acquérir chez vous une propriété funèbre où je pourrais enterrer cette morte. » Abraham ensevelit sa femme Sarah
dans la caverne du champ de Marpella, qui est en face de Mabré, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en toutes choses. Abraham dit au plus ancien serviteur de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Je te fais prêter serment par le Seigneur, Dieu du ciel et Dieu de la terre. Tu ne prendras pas pour mon fils une épouse parmi les filles des Cananéennes au milieu desquelles j'habite, mais tu iras dans mon pays, dans ma parenté, chercher une épouse pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui demanda, « Et si cette femme ne consent pas à me suivre pour venir ici, devrais-je alors amener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui répondit, « Garde-toi d'y ramener mon fils. Le Seigneur, le Dieu du ciel, lui qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté, m'a déclaré avec serment, « À ta descendance, je donnerai le pays que voici. C'est lui qui enverra son ange devant toi, et tu prendras là-bas une épouse pour mon fils. Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé du serment que je t'impose. Mais, en tout cas, tu n'y ramèneras pas mon fils. » Un jour, Isaac s'en ramenait du puits de l'Aéroa. Il habitait alors la Néguée. Il était sorti à la tombée du jour pour se promener dans la campagne. Lorsque, levant les yeux, il vit arriver des chameaux. Rebecca, levant les yeux, elle aussi vit Isaac. Elle sauta à bas de son chameau et dit au serviteur, « Quel est cet homme qui vient dans la campagne à notre rencontre ?» Le serviteur répondit, « C'est mon maître. » Alors, elle prit son voile et s'en couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac introduisit Rebecca dans la tente de sa mère. Il l'épousa, elle devint sa femme et il l'aima. Et Isaac se consola de la mort de sa mère. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Qui dira les hauts faits du Seigneur, qui célébrera ses louanges. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Heureux qui pratique la justice, qui observe le droit en tout temps, souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Toi qui le sauves, visite-moi, que je voie le bonheur de tes élus, que j'aie part à la joie de ton peuple, à la fierté de ton héritage. Hallelujah, Hallelujah,
Seigneur soit avec vous. Et avec Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie. Je veux la miséricorde, non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus fait cette déclaration pour répondre aux pharisiens qui passent leur temps à critiquer. Oui, les pharisiens critiquent même ce dont ils ne sont pas capables de faire. Ils critiquent tout. Ils critiquent le fait que Jésus mange avec les publicains et les pécheurs. Ils se critiquent eux-mêmes parce que eux, ils sont aussi pécheurs. Ils sont même, leur péché est même plus grave. Parce qu'ils sont pécheurs et ils font semblant de ne pas pécher. C'est en cela qu'ils sont hypocrites. Donc, quand ils critiquent ce qu'ils font eux-mêmes, le mal qu'ils font eux-mêmes, le péché qu'ils commettent eux-mêmes, ils sont hypocrites. Et Jésus leur répond de la meilleure des manières. Jésus est venu pour eux aussi, hein, parce qu'ils sont des pécheurs. Qu'ils cessent de critiquer et qu'ils accueillent la miséricorde que Dieu leur veut leur offrir. Les pharisiens pensent que le sacrifice suffit. C'est-à-dire, tu peux tuer ton frère, aller offrir un sacrifice et le tout est réglé. Et à Jésus de leur rappeler, pour Dieu, ce ne sont pas les sacrifices qui comptent. Ce qui compte aux yeux du Seigneur, c'est l'amour. C'est la miséricorde. Aime ton frère. Aime ton prochain. Et si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas passer le temps à l'exposer, à le critiquer. S'il a même commis un péché, va vers lui et tu procèdes par la correction fraternelle, comme Jésus nous l'a prescrit. Critiquer, rejeter, mettre en quarantaine, marginaliser, ne relève pas de ce que le Seigneur attend de nous. Et c'est le propre des pharisiens. Oui, chers frères et sœurs en Christ, si le Seigneur voulait agir comme les pharisiens, aucun homme ne serait sauvé. Parce que nous sommes tous des pécheurs.
Nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu. Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? Est-ce que c'est votre problème? Il a une autre manière de fonctionner. Vous, les pharisiens, c'est le paraître. Dieu veut l'être. C'est le cœur qui compte chez Dieu et non pas l'apparence. Souvent, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aussi des pharisiens. Nous nous comportons comme des pharisiens. C'est même le propre du monde actuel. Le monde critique l'Église, alors que le monde est plongé dans le péché. Le monde critique l'Église et refuse de se convertir. C'est vraiment contradictoire. Parce que l'Église est la lumière. Qu'est-ce qu'on ne dit pas des prêtres? Qu'est-ce qu'on ne dit pas des prêtres aujourd'hui? On dit tout. Tout ce qui parle des prêtres, ce sont des saints. N'est-ce pas? Vous ne commettez pas de péché. Et la plupart du temps, on dit des choses qu'on a inventées des prêtres. Allez vérifier pour voir si c'est vrai. C'est juste parce que le prêtre annonce la vérité. Et comme cette vérité blesse, il faut absolument la couvrir en montrant que celui qui annonce la vérité est aussi saint. Et des personnes fragiles tombent dans le piège des vendeurs d'illusions. Qu'est-ce qu'on ne dit pas du pape? Chers frères et sœurs en Christ, ne soyons pas dupes, ne soyons pas naïfs. Au lieu de critiquer comme des pharisiens, montrons notre miséricorde. Pardonnons. Apprenons bien ce que veut dire. Je veux la miséricorde, non le sacrifice. Sachons-le et retenons-le très bien pour ne plus nous ériger en juge. Sachons-le bien, Jésus est venu pour appeler les pécheurs et les inviter à la conversion. Parce que lui, il est le médecin par excellence des corps et des âmes. Et nous devons tous aller vers lui parce que nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des malades. Allons vers lui pour qu'il nous guérisse de nos maladies. Pour ce faire, prenons d'abord conscience que nous sommes des malades. Quand tu prends conscience que tu es malade, tu vas chercher le médecin et le médecin te soigne. Un mal repéré est un mal vaincu. Si tu ne repères pas déjà ton péché, comment vas-tu le vaincre? Voilà pourquoi les pharisiens sont tous dans le péché et leur péché est même très grave. Parce qu'ils refusent de voir, ils refusent de repérer leur péché. Quand tu refuses de repérer ton péché, tu meurs dans le péché. Prenons une personne qui a le sida. On dit, tu es séropositif. Elle refuse d'accepter et de se mettre au traitement. Alors, cette personne va mourir. Quand tu prends conscience que tu es malade, tu prends ton traitement et tu guéris, tu es sauvé. Abraham nous montre l'exemple d'un homme qui se laisse conduire par Dieu
et la vie de ceux qui se laissent conduire par Dieu et dans la main de Dieu. Ils font tout avec Dieu et tout réussit. Même si Dieu te met à l'épreuve, c'est pour vérifier la qualité de ta foi afin de t'accompagner toute ta vie. Abraham est un homme humble, contrairement aux pharisiens qui sont orgueilleux. Vous voyez, à son âge, quand sa femme Sarah est morte, Abraham demande le terrain. Je suis un immigré. Est-ce que vous pouvez me donner un endroit où enterrer ma femme? Il ne s'impose pas. Il ne critique pas comme les pharisiens. L'homme juste, l'homme de Dieu ne critique pas. Il est miséricordieux comme le Père Céleste est miséricordieux. Abraham se laisse conduire par Dieu. Il n'est là que pour faire la volonté de Dieu. Et toi, tu te laisses conduire par qui? Par le monde? Tu suis ce que le monde dit et tu fais ce que le monde te demande? Non, si tu fais ce que le monde te demande, tu vas te perdre. Je tiens que la lumière, notre salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons l'habitude de dire, ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Si ta lumière et ton salut est le Seigneur, laisse-toi conduire par le Seigneur. Suis les pas de notre Seigneur. Laisse-toi guérir par le Seigneur. Arrête de critiquer, de juger et de condamner tes frères. Loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nous ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leur effet. Nous t'en prions. Que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ses dons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme
et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il en dit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lanticone et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Ouelaji Eric. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Suis-nous tous enfin, sur tous ceux pour qui nous prions, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, notre Seigneur.
le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Mundo se eu sono te pom pom, tanto mal, tanto mal. Mundo se eu sono te pom pom, tanto mal. Mundo se eu sono te pom pom. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole du Seigneur. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin
que nous avons offert et reçu en communion, ainsi reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Par le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Barbosa ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à eux, généreux et inconditionnels, ils se mettent au service de ton Évangile. Fais croître la vocation afin qu'elle porte des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Doumelon, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes, dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Jésus, tu es mon tout. Je voudrais tant aimer, mourir d'amour pour toi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Esclave, je l'étais, l'enfant prodige, c'est moi. Tu m'as pris dans tes bras. Jésus, mon tout.